Yo tout le monde, c'est Piwer pour une nouvelle vidéo. J'ai la pression, j'ai grave la pression. Vous avez vu le titre, la miniature. On est sur un giga big parking. On est au Havre. Et pour cette vidéo, on a besoin de l'élément principal de cette vidéo. C'est Asna qui va tester l'Audi. Yo. Il était éclaté ton yo. Éclaté. Il était éclaté au sol ton yo. Moi je stresse là. Mais moi je stresse aussi parce qu'en fait, si tu l'abîmes, bah. C'est une allée sans retour. On trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout. Donc t'as bien compris que pour cette vidéo, tu vas conduire l'Audi. T'as compris ça? Oui. Du coup, c'est pour ça, regarde, je t'ai pris la plus grande place. C'est carrément une piste d'atterrissage. Y a pas moyen que tu te plantes. D'ailleurs, les gars, à la pas le permis, donc c'est pour ça qu'on est sur un terrain privé, voilà, il y a grave de la place et tout. Et aussi, je fais pas ça non plus inconsciemment, c'est une voiture automatique, ça veut dire il y a deux pédales, il y a deux pédales. Après j'ai déjà conduit. Ça devrait aller, t'as déjà fait du karting? Oui. T'as déjà fait des autos tamponnantes? Oui. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Pour ça, je veux pas te mettre la pression de ouf. J'ai déjà la pression dans tous les cas. Oui, bah pour rajouter un peu plus de pression, je vais te mettre un public à l'arrière de la voiture. Ouais. Ils vont être derrière, ils vont te juger. Moi je vais être à côté, je vais te mettre une pression de tonnerre. Non. T'es prête? Non. Je te donne le clé. Non, c'est... Si c'est bon. C'est ouvert. Bah sale-toi. Attends, faut que je règle le siège et tout. Ok, du coup vous allez avoir ce plan là. On va avoir ce plan intérieur aussi. Mets ton pied sur la pédale. Laquelle? N'importe laquelle. Ouais, ça c'est l'accélérateur. Vas-y, pousse, appuie. T'es pied au plancher ou pas? Oui. C'est bon? Oui. Ok, maintenant, il faut faire quoi à ton avis? Alors il faut mettre les clés. Non. Quoi? Faut t'attacher avant. Ah oui? Attachez-vous les gars. Je m'attache, c'est pas que j'ai peur, hein, c'est que j'ai peur. T'es prête? Non. Bah allez. Alors là tu dois mettre la clé là. Ton pied là il sert jamais à rien. Là, ta jambe là elle sert à rien. Et ton pied droit il va te servir pour avancer, c'est à droite. Et pour freiner ou t'arrêter, c'est à gauche. Et tu fais doucement parce que si t'appuies d'un coup au plancher, tu vas piler et on va tous être dans le truc là. C'est vrai? Attends, t'aurais dû me faire un tuto. Donc pour avancer, j'appuie doucement là. Oui. Pour ralentir, doucement. Voilà. Aussi. Mets ton pied sur le frein. Là. Ouais, le pied sur le frein, ok. Et t'appuies là. Oh putain, oh, ok. Oh, oh, ça y est, j'ai peur. Là, t'es sur parking. Donc si tu lâches, il se passe rien. Regarde, lâche le pied. La voiture est juste démarrée, il se passe rien. Ok. Là, tu rappuies dessus. Et là, t'appuies sur le bouton là, sur le côté. Et tu mets sur D. Ok. Et là, quand tu vas lâcher la pédale, ça va avancer, mais tout doucement. Lâche juste la pédale. Et mets tes deux mains sur le guidon. Oh là. Oh là là, on avance. On avance. On avance doucement, mais sûrement. Là t'as juste lâché la pédale. Donc là si tu mets ton pied, regarde, freine un petit peu. Freine un tout petit peu. Voilà, donc là t'as testé le frein. Là t'accélères un tout petit peu, vraiment doucement. Tu découvres les pédales. On roule. On roule. On roule. Accélère un peu. Oula, 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 oula. Attends, tu l'as pas mis en sport? Non, elle est pas en sport. Ok, accélère un tout petit peu. Ok, bah là ce que tu vas faire, tu vas tout doucement. Là tu roules tout doucement et tu vas tourner. Là tu vas tourner tout doucement. Non mais ça sert à rien de freiner. Mets ton pied sur le frein, mais tu freines pas. Et là tu tournes. Allez vas-y, tourne, tourne, tourne. Tourne, 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 tourne. Il y a un trottoir. Arrête, je tourne où? Attends, il y a 50 000 pistes d'atterrissage, c'est bon, tu vas là, c'est très bien. Ça va ou pas? Bah pourquoi ça arrête? Le ressenti du volant. Franchement c'est satisfaisant. Oula, elle a pris la confiance, ça y est. Ça y est, on est dans la merde, elle a pris la confiance. Ça va ou pas? Oui. Ah là t'as dépassé une certaine vitesse, du coup ça a fermé les portes. En vrai là on est... C'est chill. Vous êtes rassuré ou pas derrière? Ouais ça va. Pour l'instant ça va. Pas du tout ensemble. Il fonctionne tes airbags? Tout fonctionne, mais j'ai pas envie de m'en servir. Je peux ralentir là? Il va y avoir un virage. Oui. Donc là tu mets ton pied sur le frein, tu freines à tout doucement. Tout doucement, tu freines tout doucement. Comme ça tu t'engages dans le tournant là. Eh, on va mettre les clignotants. Engage-toi. Ah bah mets le clignotant. Ok non, engage-toi dans le tournant. Tourne, 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 tourne. Tourne, 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 vas-y. Tourne plus, tourne plus. Remets ton volant. Voilà, et là tu vas tourner à droite, tourne à droite, tourne à droite tout de suite, tourne là ton. Elle a une temps de réaction avant de tourner le volant. Ok, et là tu vas essayer de taper une petite accélération, genre essaye de monter à 50. Vas-y, 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 accélère. Stop, 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 stop. Tu m'as fait peur. Donc là ce que tu fais, t'arrives là après ton virage là. Quoi? Ok, là rentre sur la route, c'est pareil, tu réessayes de faire une accélération. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, je vais pas plus que 50 BD. Ok, on est à 40. Freine, 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 freine. Tu tournes à droite. Quand tu tournes, tu peux accélérer un tout petit peu. Ah, c'est bon, il n'y a plus rien à faire là. Là, t'accélères en plein devant la voiture, je suis pas. Oh là, oh là. Ça y est, l'accélérateur dans le virage, j'ai encore plus peur. Je crois que mon niveau de porosité, il est monté. Mais attends, parce que le truc, c'est que je fais toujours des trucs à droite. Ouais. Non, en vrai, à gauche, je le sens pas. Là, regarde. Là, tu tournes à droite, tu prends la première. Et là-bas, tu tournes à gauche, tu prends la deuxième. On va faire un truc. Arrête-toi, appuie à fond sur l'accélérateur. Non, le frein. En plus, je lui dis appuie à fond sur l'accélérateur. Tu veux tourner à gauche. Déjà, là, tu vas prendre les clignotants. Clignotants, c'est là. Ça, monte-le, voilà, descends-le, voilà. Du coup, ce que je te propose, il y a
quatre voies. Celle-là, la voie là-bas, la voie là-bas et la voie au fond. Que je te propose. Là, tu vas tourner à droite, tu vas prendre la première voie en mettant ton clignotant. Du coup, tu prends large, tu prends large. Tu tournes vraiment genre de la gauche et tout. Ouais. Après, t'arrives là-bas au fond, tu tournes à gauche et tu iras dans la dernière voie. Allez, vas-y, on essaye. T'es prête? Non. Ok. Là. Je lâche. Tu lâches, ça va avancer. T'accélères jusque avant le virage. Une fois que tu vois que tu peux entamer le virage, tu mets ton pied sur le frein. T'entames le virage et tu freines si t'as besoin. Je freine pas brusquement. Non. Ok, là tu prends large en prenant sur la gauche un peu. Là, nickel. Là, tu ralentis, pied sur le frein. Voilà. Et là, tu tournes à fond pour aller dans la première voie. Tourne à fond, là tu vas là-dedans. Là. Ok. Tu vas là, là. Ok, et là tu peux accélérer un petit peu. Il faut que je dise le volant. Un tout petit peu. Le volant, tu sais faire, en plus t'as fait les autos et tout en vrai. Bah, c'est bon, ça referme. Par contre, t'as oublié un truc. Le clignotant. Bah voilà, bah voilà. Bah bravo. Regarde, le gars qui te suit derrière, il est pas au courant que t'as tourné. Personne. Je veux dire que nous prennent large aussi. Ah, ils arrivent. Y'a la police. Y'a la police, t'accélères droit et tu t'en vas loin. Là, tu mets ton clignotant, à gauche. Et là, tu freines, tu mets ton pied sur le frein et tu tournes. Pied sur le frein, comme ça, si t'as besoin de t'arrêter pour faire ton tournant. Oh, bah en plus, t'as pris la première. Je t'avais dit la deuxième. Bah, c'est mieux, non? Mais c'est bien. Tourne le volant. Par contre, attends, il faut que t'apprennes un truc sur le volant. J'ai trop peur. C'est que tu croises jamais les bras. Là, t'as croisé tes bras, faut jamais le faire. Attends, je vais te faire t'arrêter sur un. Garé, ouais. Je vais te faire te garer. Un créneau et tout. Non, ça va pas être. Oh. Non. Non. Pourquoi t'as dit ça? Non. Appuie sur le frein. Un demi-tour. Ouais. Ah ouais, marche arrière. Marche arrière d'abord. Non, on est trop près. Tu du vas truc, tester là. Une marche non. arrière. Mais attends, on est trop près. Mais c'est pas grave, tu vas te décaler en marche arrière. Appuie sur le frein. Là, t'appuies et tu te mets au R. Non, j'ai peur. C'est pas grave, le temps que tu lâches pas, il va rien se passer. Ok, on est sur le R. Tu lâches tout doucement. Par contre, du coup, ton volant est inversé. C'est à dire que si tu tournes à droite, ton cul va tourner à gauche. Donc là, tu lâches tout doucement et on va se décaler. On va aller vers le milieu. Tu touches le volant là. Ouais, et tu regardes tes rétros. Regarde les rétros là. Vas-y. Lâche tout doucement. Juste à lâcher, ça va reculer. C'est grave large, ça risque rien. Ça recule. C'est tout. Et je fais quoi avec le volant? Là, tu le cales pour essayer de te mettre sur la voie centrale. Par vas-y, où? Accélère un petit peu, enfin, appuie pas sur la pédale. Voilà, là, contre-braque, donc tu mets le volant dans le sens inverse. Attends, tout en roulant, parce que sinon tu vas la remettre droite trop vite. Tu gères là? J'ai pas l'impression qu'elle se mette bien. Ok. Là, remets-toi droit. Donc là, tu remets le volant un peu comme ça pour te mettre droit. Ah, ok. Et là, après, tu lâches. Tu vas reculer peut-être un peu en biais. On peut voir? Ouais, là on n'est pas encore trop bien. Par exemple, si je fais juste ça, lâche la pédale. Normalement, je te recale bien dans cette allée là. Ok, nickel. C'est grâce à moi. Voilà, là t'es calé. Tiens ton volant et t'essayes de te maintenir droit sur cette voie là. Genre vraiment que tu recules que sur cette voie là. Si tu fais un petit peu comme ça, tu vas être encore plus centré. Si tu fais un petit je peu comme ça. Je vois même pas les lignes là. Regarde sur ton rétro, normalement la ligne tu dois la voir. Ah là, je la vois. Tu redresses un petit peu. Allez, essaye de faire sans appuyer sur le frein. Pas. C'est loin encore? Ouais, t'inquiète. Là, je suis le fiac là, il est carrément sorti de. Attends, je vais tester un truc pour te mettre en confiance encore plus. Attends. Ouais. Tu peux lâcher le frein maintenant. tourne de l'autre côté. Ça laisse vraiment partir. Avec la voiture. Il me laisse tranquille. Mais ouais, faut que je gère. Sans indication là. Là, il y a personne qui lui dit rien là. Pardon. Tu me laisses tout seul là. J'aime pas trop. Je veux que tu fasses un truc avant la ligne droite. Oula. Oh, regarde, là, il y a un passage piéton devant. Tu vas traverser, elle va devoir s'arrêter avant de t'écraser. Ok. Oula. Tu fais jamais. Warrior, j'ai été ravi de te connaître. Oh, regarde, mais toi, je suis en marche arrière. Je te réexplique. Donc là, tu t'appuies. Tu te mets en D. Appuie sur le frein, tu te mets en D. Là, t'es en D, attends. T'as mis sport. Faut que tu te mettes sur le deuxième. T'as quelqu'un qui veut traverser. Elle fait voir qu'elle a l'intention de traverser puisqu'elle est sur le passage piéton et elle regarde dans ta direction. Tu vas avancer. Donc là, tu vas lâcher le frein. Tu vas avancer et t'arrêter avant le passage piéton. Tu t'arrêtes à 1 mètre du passage piéton. On va voir si l'exercice va être réussi. Il faut commencer à t'arrêter. Nickel. Je veux que t'avances jusqu'à la voiture. Moi, il y a la peur. De ouf, je suis une. Ma voiture. Non, t'inquiète, je la mets pas en danger. Pour après, faire un petit créneau, genre derrière. Oh putain. Puis en vrai, là, oui, ça reste quand même pour la voiture. T'es en D, donc c'est bon. Si tu lâches le frein, ça commence à avancer. Non, je reste sur le frein, je roule à 10. Hein, à ok, 0, tu lâches le frein, ça avance. Ok, donc là, on avance. Là, tu peux accélérer un tout petit peu. Okay, juste. Attends, me dis pas de freiner. On est à 15 km/h.
Et là, tu le sens, tu freines, tu dois t'arrêter vraiment côte à côte. On doit être côte à côte. En diagonale. Ok. Ouais. Encore putain, un petit peu rétro contre rétro. Nickel. Mets ta marche arrière. En R. En R. Ouais. C'est bon, t'es en R? Bah oui. Ok, nickel. Donc là, je lâche la pédale. Puisque t'es à côté d'elle, quand tu vas commencer à lâcher la pédale, il faut que tu commences à tourner. Attends, c'est de quel sens? Comme ça. T'es sûr? Oui, tout doucement. Commence à enlever ton frein et tu tournes comme ça. Vas-y, tu tournes comme ça. Tourne, 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 tourne. Tourne un peu plus. C'est trop loin. Je le voyais pas comme ça le créneau. Hein. Là, on est parti. Bah si, après, je me râle pas comme ça. Je rechange. Non, continue à reculer. Vas-y, tu peux encore. Dès que tu vois que tes roues arrière sont à peu près alignées à ces roues droites, tu commences à changer le volant. Voilà, change le volant. Recule. Vas-y, redresse-toi. J'ai peur. Freine. Là, du coup, on est vachement prêt. J'ai eu vachement peur. Là, j'ai juste à aller tout droit, genre. Ouais, mais non. Non, on va pas la faire aller tout droit. Hein. Mmh. Il y a une voiture quand même. Mmh. Non, bon, sinon, elle fait le chemin. Là-bas, il y a des dodanes et tout. Mais c'est que de la ligne droite. On les prend à 15. Ça a 30 les dodanes, donc c'est bon. Sinon, ça fait quoi? Ça nique. Bah, sinon, je fais tremplin. Okay, bah, c'est bon alors, les dodanes. Ok. Les bon, bah, on va sortir de ce parking de bus. Ok, donc là, tu lâches un petit peu, t'avances au pas. Oulala. Ok, donc là, tu prends large. Pour l'instant, c'est bien. Hein. Là, c'est juste un peu serré. Je vais te dire, tu rentres tout doucement. C'est vrai que là c'est étroit. Là déjà c'est un bon exercice. Bah ça c'est une vraie route. Ouais, nickel, droite. C'est bon? Vas-y, t'inquiète, on va juste faire le tour. J'ai géré même. Là, c'est je suis bien. Quand même en sens interdit. Ouais. T'as géré. Alors pour ma première fois. En fait, elle doit aller là. Attends, je sais pas si vous voyez. Elle doit aller là. Du coup, c'est étroit, mais ça passe large. Tourne à fond. Redresse ton volant, commence à redresser ton volant. Freine. Lâche un tout petit peu le frein. Fais comme les auto-écoles, je t'aide. Pas niquer tes jantes. Non, moi non plus j'ai pas envie de niquer les jantes. Ok, là t'es dans la voie. Là tu maintiens le volant droit. Tourne pas le volant. Tu maintiens le volant droit et je veux pas que tu roules sur la ligne là. Pourquoi je suis vachement. La ligne où c'est marqué truc réservé, je veux pas que tu roules dessus, d'accord? Oh là c'est étroit, on arrive sur le dodan. J'ai peur. Non, en fait tu maintiens la gauche. La gauche tu le vois très bien. Tu vois le trottoir à gauche. Dans ton rétro tu vois que c'est là. Regarde. Hop. Ça bip. Voilà, c'est bon. Accélère. Ok, tu peux commencer à freiner un tout petit peu. On est bien. Là on est bien. Et là tu vas à la droite. Oh, clignotant, je lui ai même pas dit, elle a mis le clignotant. Là tu vas aller là, tourne. Commence à tourner, mets ton pied sur le frein hein. Tu maintiens le frein. Comme ça si tu vois un danger tu freines à fond. Ok, nickel. Là tu vas prendre la dernière voie je crois pour arriver là-bas. Au milieu. Essaye de te caler justement, tu dis que t'es au milieu. Essaye de te caler sur ta voie. C'est bon là je me suis redressé. Bah ouais. Oui je suis grave bien là, tu peux. En vrai tu peux accélérer un tout petit peu. Non. D'accord. Là prends la dernière voie. Et tu vas reprendre la voie là-bas. En tournant là-bas, tu refais le tour. Attends, je vais aller sur l'autre. Ok, 30. On est à 30, tu maintiens à 30. Jusqu'à ce que tu voyes le virage. Et là tu tournes. En vrai, ça démerde bien. Hein. Ouais, franchement, ça va. Non, sérieux. Ouais. Bah après, c'est une automatique. Prends pas la confiance. La voiture à redresse ta voiture là. Alors là, je veux que tu t'arrêtes. Un truc à te faire faire. J'ai un défi. Pardon. J'ai un défi pour toi. Là, il faut que tu recules jusqu'au trottoir là-bas. Oh. Derrière là-bas, il y a un trottoir. Là-bas, il y a un trottoir. Ça va faire bip 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 bip. Donc là, en fait, tu recules tout doucement. Enfin, tu recules assez vite. Bah, attends, jusqu'à ce que tu mettes en R. Ouais, tu te mets en R, tu recules assez vite jusqu'à temps que tu te rapproches du trottoir. Une fois que tu vois que tu te rapproches vraiment du trottoir, tu commences à freiner et à rouler genre à 2 à l'heure. Pour te mettre le plus proche possible du trottoir sans taper dedans quoi. Parce qu'après j'ai un autre défi pour toi. C'est essayer d'atteindre 60 km/h sur cette ligne droite. Non. Vas-y, tu recules. Ok, elle lâche non, la pédale de frein. Je vais avoir un visage frustré pendant toute la vidéo. C'est pas drôle. Là tu peux commencer à freiner un peu. Pourquoi tu bipes pas? Non, parce qu'il n'est pas assez près. Elle est trop longue ta voiture. Ah là. Oh j'ai arrêté plus. Donc là tu peux reculer. Regarde, là ça bip. Ça veut dire que ça voit le trottoir. Là tu continues à reculer et tu l'arrêtes ici à peu près. La ligne rouge, je veux qu'elle soit à peu près au milieu. Encore. Ah ouais? Ah encore. Au milieu j'ai dit Encore. Encore. Nickel.
Bon, là, t'as pris la confiance. À la fin, elle prend toujours la confiance à la fin. Elle écoute pas, hein. Regarde, regarde. C'est au milieu, ça. C'est quoi la vie? C'est pas au milieu, ça. Voilà. Là, tu peux commencer à accélérer. À fond. Vas-y, t'appuies sur l'accélérateur et t'accélères fort. Par contre, tu tiens bien. Attends, attends. Pourquoi je recule là? On se met d'accord. Elle reculera pas longtemps. Une main bien là, une main bien là. Oui, comme ça. Et tu te gardes droit sur la voie du milieu. Limite, tu roules sur la ligne du milieu, comme ça, t'as bien large à droite. Attends, bien je large me cale direct. Je me cale direct. Non. Non, mais de toute façon, t'es comme ça, t'es penché. Donc là, tu vas arriver vite dessus. Ça va te. Tu vas devoir juste te recaler. Je te sens prête. Non. Allez, accélère. Allez, go. Accélère. Accélère à fond là. Moi aussi j'ai peur, 50, 55. Commence à freiner, c'est trop tard là. Mais oui, elle est trop chute. Ça fait 55. En vrai, t'as fait 55, c'est bien. C'est déjà ça. Faut vraiment que t'accélères fort dès le début. Elle peut monter. Allez, on fait ça en marche arrière. Viens, je te dis rien, tu mets tes clignotants et tout et tu fais tout le tour là déjà. Par contre, t'as pas fait le tour là. T'es pas dans la bonne voie. Ah merde. Ok, donc là, clignotant à droite, c'est trop bien. Trop trop bien. Là, Ah ouais, carrément. Je t'avais dit de faire le tour, tu fais les petites lignes. Mais c'est quoi le tour? Mais c'était encore plus dur ce que j'ai fait. Bien, bah tu sais quoi? Attends, attends, arrête-toi. Ah, ça y est, il descend. Je m'en vais. Bon, regarde, mets-toi peut-être à côté d'elle. Au cas où tu dois redresser les roues. Eh, mais ça fait bizarre. Je suis encore plus soulagée. Ça fait trop bizarre de voir la voiture équipée d'une GoPro et tout sur le toit. Ah, j'ai cru que t'allais dire une Go. C'est bon. Allez, vas-y. Accélère pas trop, hein. Ah, bah, elle fait un bon bruit la voiture. Accélère pas. Attends, je vais aller là parce que là-bas c'est serré. Hein. Non, faut que tu le prennes large. En fait, je vois jamais ma voiture rouler parce que c'est moi tout le temps qui conduis. Du coup, c'est un peu perturbant. Je pars de loin là. Il y a un abonné. Il y a un abonné. Attends, on s'en va en vrai. Oui, ça va. Ça va, tu gères bien. Il faut que tu accélères quand même. Parce que là, t'as l'arrêt. En vrai, je suis rassuré. Je vais faire un truc. Oh, mais non, mais il est ouf. Oh, attends, c'est un piéton, c'est un piéton, c'est un piéton. Merci. Le zinzin que j'accélère, ouais. Je savais pas que t'allais traverser. Je veux juste que tu fasses un truc là. Recule à fond, comme ça tu peux faire une petite accélération. Attends, du coup il a dit quoi? Au niveau de lui, t'arrêtes gros, d'accélérer, ouais. Et après gros, tu freines. Ça commence à freiner dès que tu passes toute patate. Jusqu'à 50. Putain, quoi? Parce que j'ai pas ma ceinture. Non, doucement. Non, en vrai ça va. Ah, c'est parce qu'il traverse. Mais... Elle a pas compris. T'as pas compris. En fait, j'étais ton point repère. En gros, t'allais là-bas au fond et de là-bas à moi, le moment où tu bombardais pour arriver jusqu'à 60 km/h. La distance qu'il y a, je peux faire du monter à 100, je pense. Voilà, et là tu peux commencer à freiner, voilà. Elle est sur sa voie. Nickel. Eh, franchement, je sais pas ce qu'ils ont pensé à l'intérieur, mais c'est nickel, hein. Ils m'ont dit que c'était bien. Ouais. Hein? Ils m'ont dit que c'était bien. Ouais, c'est bien, en vrai, hein. Tu veux faire quoi maintenant? Demi-tour, bordel. Oh non! Demi-tour. Alors, maintenant que t'as bien pris, bien pris la confiance. T'as vu, t'as pris la confiance, hein. Il t'a dit recul quand t'as fait ton deuxième essai, t'as mis une marche arrière, t'as reculé direct. Ok, on fait le demi-tour. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que t'es prête? Bah alors là non, pas du tout. Tourne beaucoup et avance pas beaucoup. Non, c'est pas une balade que tu fais. Tourne beaucoup, donc tu tournes le volant beaucoup et t'avances pas beaucoup. Dès que tu vois ta roue arrière dans le rétro, là, dès que tu vois ta roue arrière sur le pointillé, t'arrêtes. Je la vois pas. Bah faut que tu continues. Vas-y, continue. Il y a encore 30 cm entre la ligne jaune et le pointillé. Good. Tu contre-braques, ça veut dire que tu tournes dans le sens inverse que t'as tourné. Encore, à l'arrêt, c'est pas grave. Ok. C'est good. Là t'as réussi ton demi-tour en 3 manœuvres. T'as reculé une fois, t'as avancé une fois, t'as reculé une fois. Mais t'es prête à enclencher la marche avant. Redresser tes roues. Encore.
Top. Et là, tu peux commencer à partir en te mettant bien sur la voie là. Voilà. Mais on est bien là. Voilà, bravo. Bravo. Toi, ça fait 53 minutes que tu conduis. Ouais, ça passe trop vite. De ouf. Et puis maintenant, je peux prendre mon tel. Non, je rigole. Non. C'est interdit, même avec le permis. T'as pas réussi à faire le 60. J'ai fait 55. Et ben, avec le mode sport, tu vas accélérer en moins de distance. Là, ton danger, ça va plus être de savoir s'arrêter parce que tu sais t'arrêter. Mais ça va être de bien tenir le volant, pas perdre le contrôle parce que tu vas être en mode sport. Si je te le fais vert, c'est que tu peux le faire. Y a pas de souci. Mais déjà, quand tu le fais, ça va trop vite. Et t'appuies sur la clé. Ah, parce que c'était éteint. Ok, ouais, quand tu sors, ça a éteint. Appuyez sur la pédale de frein pour engager un rapport à l'arrêt. Voilà, donc là t'appuies sur la pédale de frein, tu te mets en DS. Voilà. Ok, donc là c'est en D. T'es en mode sport. S. Ok, quand tu veux. Oh là. Vas-y. Jusqu'à 60. Ok. Stop. Ok, 60, nickel. 60, elle a fait 65. T'as fait 65. Ouais. Et en vrai, j'ai arrêté. Il te reste encore grave de la distance. Hein. De ouf, ouais. T'aurais pu aller à 300, je crois. D'accord. Ouais. Tu veux le refaire ou pas? Oui. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Ouais, regarde la route quand même. Et moi, bah, je vais me concentrer sur ta vitesse. On va voir un petit peu. Oh, stop. Elle a pris la confiance. Elle était à 80, la folle. Elle m'a fait trop bien. Ouais. Je pense que moi aussi j'aime bien. Mais oui, mais regarde, je me suis arrêté encore moins. Encore trop tôt. Mais oui, mais en fait, tu me fais trop peur. En fait, c'est le moment où je crois qu'il faut s'arrêter. Appuie sur le frein. Ok, c'est le moment où il faut vraiment s'arrêter. Ouais, là ça commence à faire n'importe quoi. Je crois que. Mais je perds pas un dernier tour. Non. Hein, tu vois, là on est sur le moment où tu prends trop la confiance et du coup le moment qui peut devenir dangereux. T'as arrêté là? Oui, j'ai arrêté là. Tu peux lâcher toutes les pédales. Ok, j'ai joué avec les feux. J'ai joué avec les feux. Non, en vrai, t'as kiffé ou pas? Ouais, c'était trop bien. J'ai envie de refaire le tour là. Ouais, mais non. Ça devient. Ouais, elle a pris trop la confiance. Ouais. Ça peut devenir trop dangereux là. Non, en vrai, on va s'arrêter là. Mais tu t'en es bien sorti. Tu t'en es très bien sorti. Ouais, aussi en vrai, tu t'en es bien sorti. Vous en pensez quoi? J'ai fait le professeur un peu. Dans cette vidéo, j'ai fait le prof. Genre, je parlais comme un prof un peu. Oui, il a dit, tu vas changer de métier. Ouais, en vrai, sur des automatiques, c'est facile hein, à apprendre. Ah, bah c'est bien. Allez, on va mettre un pied sur terre. Là, je te l'aurais pas donné parce qu'il n'y a pas de panneau. Donc. Ah, le sol, j'ai jamais kiffé autant voir le sol. Eh, vraiment, ta dernière accélération m'a fait peur parce que c'est juste pour un point. C'est parce que en fait, j'étais focus avec la caméra en train de filmer le compteur. Du coup, en fait, je savais pas la distance qui te restait. C'est pour ça m'a fait trop peur. J'ai dit freine. J'ai vu 70, j'ai fait Bon, je crois que c'est le moment d'avoir le petit débrief. Est-ce que. Bah, dis-moi tout ce que t'as ressenti sur cette conduite. En vrai, c'était grave satisfaisant. Au début, j'ai eu peur. Mais moi aussi. J'ai paniqué. Moi j'ai eu peur au en début, fait, au milieu, trop bien, à la fin. J'ai réussi à grave gérer les. Enfin, genre là je pouvais le refaire normal, les virages et tout. Maintenant faut que tu passes le permis pour que je te laisse conduire. Tu vas me la laisser? Non. Quand t'auras le permis, ouais. Mais on pourra refaire joujou sur les parkings. Non. Si? Non. Un maximum de pouces bleus pour qu'elle réussisse son code. C'est juste pour avoir plus de pouces bleus. Bah, ouais, franchement, quand t'es bien, moi je suis choquée. Ouais. C'est vrai? Ouais, moi je trouve que y a qu'un problème, vraiment. C'est que tu vois quand elle tourne, quand tu tournes, t'attends d'être déjà au bon endroit pour redresser tes roues. Ah ça, ouais. ça fait qu'après la distance que tu continues pour redresser tes roues, et ben t'es plus au bon endroit. Et c'est le seul problème. Ouais, bon, c'est bien. Bah, du coup, les gars, on va vous laisser. Hein. On vous laisse. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Tout le monde fait un petit coucou. Let's go. Une bonne soirée. Un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de sa conduite en commentaire. Activez la cloche sur sa chaîne. Activez la cloche et on se retrouve samedi prochain 18h pour une prochaine vidéo. Tchuss. Ciao les potes.